petit mot sur cette formation, Franck ? Eh bien, elle vient directement de la Division 5, où elle avait été sacrée championne. On lui souhaite simplement la bienvenue dans cette compétition très relevée, il faut bien le dire. Allez, vous jouez la touche. Williams. Castillo. Il l'élimine. Il centre. Et ce sera un corner. Ouais, la tête. Allez, on place au gardien, bien placé. Ce ballon qui se touche. Un beau duel en perspective. Avec le sifflet de l'arbitre. Défenseur. Et déjà le premier coup de sifflet. Un long ballon loin devant. Donc il va donner ce centre. Il dégage de la tête. Et le ballon qui va changer de possession. Attention à la réception de ce centre. Oh, un super exploit du gardien sur ce plongeon. Il est à la récupération au milieu de terrain. C'est l'interception. Le ballon perdu. Caro. Alexander. On est plus du jeu sur cette interception. Il cherche un partenaire dans la surface. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Ça passe très loin du cadre. Tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. Il va peut-être être averti. Ouais, l'arbitre qui met la main à la poche, c'est le jaune.
se battre à la tombée. Hughes. On passe au millimètre. Souffler un petit peu avec cette touche. Hughes. Voilà, carton, pas carton. Un carton jaune pour cette vilaine faute. Williams. Freeman. Il se dispute le contrôle du ballon. Une bonne abnégation sur cette interception. Ce sera pénalty. Ah oui, pénalty. Oh, pénalty, c'est normal. Et il n'y a pas de carton, ça c'est plus étrange. Ouais, c'est vrai, hein, décision un peu étrange, mais peut-être a-t-il jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un avertissement. Je vois qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Tao. Et le bon placement du gardien. Récupère le ballon. Freeman. Caro. Et voilà, déjà 45 minutes dans ce...